Ce tunnel relie le collège Fontenelle au conservatoire de la ville de Rouen. Il a maintenant plus de 35 ans. Il a été construit en même temps que le conservatoire, donc en 1975, et il était resté en béton brut. L'utilité, c'est de sécuriser le passage des élèves du collège Fontenelle au conservatoire, puisqu'on a 200 élèves qui suivent des cours du collège, qui suivent des cours au conservatoire de musique. Donc l'idée est venue de lui donner un look un peu plus agréable, pour donner évidemment envie de l'emprunter, d'où ce projet où on allie à la fois de la couleur et de la lumière. Là, on s'est tourné vers donc, une association de jeunes architectes, INSEEN, par l'intermédiaire d'Olivier Renaud, donc, qui travaille au collège, qui nous ont fait un projet qui tout de suite nous a plu. Les défis ont été assez de taille. C'était de pouvoir construire pendant la venue, les va-et-vient constants des élèves. La mise en œuvre aussi, parce qu'il fallait mettre tous ces bois les uns sur les autres avec que des découpes, plus de 650 coupes, vous imaginez. Donc de l'autre côté, vous avez ce deuxième brin qui est simplement des tôles qui sont collées, juxtaposées les unes aux autres pour leur permettre d'écrire des petits mots de ce qu'ils voulaient. Le passage toujours, l'écriture, on est quand même dans un lien. Au départ, le tunnel, il était sombre, sinistre, quoi. Et puis, dès qu'on voulait passer, bah, ça faisait peur, quoi. C'est plus joli parce que, bon, avant, c'était un peu neutre et tout. Maintenant, avec la déco, c'est mieux. Je pense qu'on va pas trouver cette déco partout, donc ouais, c'est original.